Et yep, tout le monde, bienvenue pour du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. Oh, que c'est beau, des petites abeilles qui butinent. Qui butinent les petites fleurs aux alentours. Mais quand on s'approche, on se prend des dégâts à Terra Ligo. C'est la nouvelle faculté de foresterie, hein. Tu prends des dégâts en fonction des ruches. Vous prenez des dégâts plus ou moins loin. Celle-ci est actuellement à 6 blocs. Vous approchez ici. Vous essayez de la taper, vous allez vous prendre des dégâts. Voilà. Très clairement, ça vous fait très mal. Donc, moi, pendant un bon petit moment, pendant une heure et quart, j'ai été miné et c'est cheaté au niveau du mode. Je ne comprends pas pourquoi il y en a autant. Mais c'est cheaté, tellement cheaté que j'ai pu me faire une armure en diams YOLO tranquille, une Paxel de mecha, hein, donc vous voyez, une épée et tout ça. Tout ça, bon, bien sûr, merci les super ors parce que quand on les fait cuire par exemple, ça fait 18 redstone par minerai. Donc voilà, c'est plutôt tranquille. Donc, une pioche en diamant est passée intégralement dans le minage, comme ça. Donc, je suis parti au fond et je suis parti très 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 loin hein, par rapport au minage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir les caves? Topographie, cave, non, on peut pas voir les caves, je les ai pas activées. Quel boulet. Donc du coup on peut aller vraiment très très loin avec une pioche, bon 1562 blocs, vous pouvez voir actuellement tout ce qu'il y a, plus les minerais au-dessus et ce qu'il y a au-dessus. Donc du coup niveau en termes de minerais, là pour l'instant je vais être plutôt tranquille, et bien sûr j'ai plus les fours. Tac tac tac, normalement j'ai plus rien, oui j'ai plus rien du tout. Donc, bon, on va attaquer un petit peu, pas la maison tout de suite parce que niet, très clairement je suis pas fou à ce point. On va se faire un petit peu les machines, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans Mecha. Pourquoi Mecha? Parce qu'il y a y a pas mal de choses, il y a des générateurs, il y a tout ça. Mais on va voir un petit peu avant au niveau d'autres modes qui peut être pas mal. De toute façon, il faut un système d'énergie. Très clairement, il faut de l'énergie au démarrage. Holy shit, ça a l'air chiant. Bah, il faut l'Ender Dragon, je suis con. Donc, il faut le Guardian, il faut tout ça. Spawn Guardian? Oh. Ender Dragon Zombie. Je sens que ça va être une merde. Pas possible. Une merde pas possible pour aller chercher ceci. Speed 5, une fois que tu l'as tout. Je crois que tu peux pas l'avoir celle-là d'ailleurs. Ah si, tu peux l'avoir. Complètement changé le craft. Speed 5 quand tu as l'armure full. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Donc bon. Voilà un petit peu le truc. Advanced Sword. J'ai des blocs de diams autour. Ça fait 24 de damage. Là il y en a 7. C'est vrai qu'on pourrait se la faire. Hein. 24 de damage, c'est quand même un truc assez pété. Hein. Ça one shot un petit peu tout. Mais bon, ça fait quand même 8 blocs. Ça fait 72 diams. Bon, je les ai largement, hein, c'est pas pour dire. D'ailleurs, on pourrait se la faire, hein, tiens, en parlant de ça. On va se faire justement ce qu'il faut. Hop. Tout tranquillement. Voilà, j'ai les 8 blocs. YOLO, je suis content. On va se faire ceci, cela. Pouf. Voilà, je suis content. Je prends ça, je la fusionne. Je mets là, je mets les blocs. Et voilà, Advanced Sword, 24 damage, hop, YOLO, tranquille, si, la famille. On est plutôt tranquille, TMTC. Bon, après, bon, bah, ça, on s'en fout un petit peu pour l'instant. On n'en a pas forcément l'utilité dans l'immédiat. Donc, voilà, bon, le stock il a descendu. J'ai récupéré un redstone, un cristal d'hyprésonance, donc il génère 13 RF par tick. Bon, il lui reste la moitié de la vie, hein. Mais bon, ça peut être pas mal pour créer notre première source d'énergie, c'est quand même pas mal. Hop. Et puis quand il est au sol, il fait plutôt imposant, hein, il faut dire ce qu'il est. Donc, du coup, au niveau de ça, on est tranquille. Bon, je voudrais bien faire d'autres choses, mais c'est un petit peu plus cher. Bon, malgré que ça soit du lapis, ça encore, ça va, mais c'est des styles. Bon, le style, on en a, c'est de IC2. On est tranquille. Après, il y a tout ce qui est partie blood magique, sand, on le fera plus tard, éventuellement. Calculator, ouais. Draconique. À faire. Draconique, 800 millions de RF. Ah, oh, putain, ça fait mal au fion.
Bon, bah sur ce, on va quand même passer directement sur, sur Mecha en fait. Pourquoi? Déjà en plus, Ex Nihilo, il y a eu des upgrades de quelque chose, donc ça peut être bien comme génération de minerais, mais éventuellement faire ça. Et aussi un mode ultra cool que on m'a donné, ce qui est Extreme Reactor, donc c'est exactement à quelques crafts près du Big Reactor. Mes versions 1.10 et ça je trouve ça magnifique. Bon, on va pas faire la créa parce qu'on peut pas la faire, mais en tout cas notre première source d'énergie ça pourrait être vraiment Big Reactor. En fait c'est simple, il y a beaucoup d'hélorite, je veux dire, et en même temps l'uranium, bah c'est pas que, mais j'ai déjà tout ça, donc il suffit qu'on le multiplie par deux et on est tranquille niveau énergie pour commencer hein. Donc très clairement. Hop, et puis on peut le foutre dans l'immersif, ça fonctionne très bien. Donc du coup, au niveau de ça, bah, on peut créer notre première source d'énergie grâce à ça. Ça va être quand même un truc super bien. Il y a les abeilles, il y a aussi un genre de extra bille qui est pas mal. Donc ça rajoute d'autres abeilles par-dessus, hormis les abeilles de base. Donc c'est bien, hein, moi, ça m'arrange beaucoup. Donc je les ai rajoutés, ils sont contents, on fera du vrai foresterie, on fera tout ce qu'il faut. Et l'avantage qui est bien, c'est quand on est dans un biome neige, mais juste en bas de la colline, qu'on se fera un beau petit truc pour monter, il y a une prairie, donc du coup on aura une vue directement sur nos abeilles. C'est quand même pas négligeable, sachant que j'ai envie de faire quelque chose de plutôt sympa. Au niveau de la maison, je ferai un beau petit truc là. Je raserai tout ça, ça c'est sûr. Je ferai une maison dessus qui peut être pas mal. Et puis avec des chemins qui descendent jusqu'en bas, et pourquoi pas des cartes qui descendent, qui remontent. Oups! Holy shit, ça m'a foutu une de ces trouilles. Oh la merde! Oh, ça m'a foutu une de ces trouilles! Ah, j'ai le cœur qui a. Donc voilà. Putain, ça m'a. Est-ce que j'avais enlevé la game rule d'ailleurs? Game rule mob griffing. Ouais, false, c'est bon. Parce que. Qui pète pas le terrain. Quand je suis AFK, parce que sinon c'est la merde. Donc du coup, bah, on va partir sur du. Comment? Sur du mécanisme. Mécanisme, oui, c'est ça. J'étais en train de chercher le truc en fait. Voir s'il n'y a pas d'autre chose. Donc bien méca. On se fera aussi le réacteur de méca, hein, sachant qu'il y a tout dessus. Oh, il y a les lasers. Putain, ça change par contre les lasers. Ah bah non, ça. Ils mettent le craft défini. Ça, c'est un peu chiant des fois. Séisme vibrator. Oh là 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 là. Ouais, bah ça a un petit peu changé quand même. Bon, ça peut-être moins quand même, mais. Ça, par contre, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Bon. Ah oui. Ah, oh, c'est tellement chiant ça. Mais enfin bref, du coup, on va partir sur le mecha. Donc je vais faire du arrobase mecha. Arrobase mécanisme. Là là là. Et du coup, il va nous falloir notre première énergie. C'est vrai qu'en faisant fonctionner ça, il va falloir de l'énergie de base. On a les solar panels de mecha qui sont très bien. Puis comme on a le jour constamment actuellement. On en profite. Hein. Oh, ça c'est cool. The Last. Oh, c'est des câbles infinis. Oh, Solar Flux. Ah, c'est vrai qu'il y a Solar Flux d'ailleurs. Tiens, en parlant de ça. Solar Flux, ça peut être un très bon moyen. Ça génère 1, ça transfère 8. Certes, mais c'est plutôt cool. Hein. Faut dire ce qui est. En plus, c'est pas très, si cher que ça. En plus, c'est un piston. D'accord, le craft de base, en fait, c'est des pistons. Ok. Là, ça en fait deux. Bon, des fois, il y a des bugs avec le crafting. Hein. Ça génère 128, ça sort sur 1024. Donc, ça va, c'est plutôt cool en fait. T'as l'extrême aussi qui est pas mal. Voilà, là, ça en fait deux. Ici, t'en fais qu'un. D'accord. Si ça en fait deux, c'est vraiment de la duplication pure et dure. Hein. Tu vois, même là, il demande de redstone pour faire un câble.
Bon, enfin bref. Du coup, ce qu'on va faire, de toute façon, il nous faut un truc de base qui nous permet de générer de l'énergie. Solar planté. What the fuck? What the fuck? Ouais, on va peut-être éviter ça tout de suite. Des enrichis d'alloy, donc métallurgie, infuseur. Générateur. Attends, on va quand même essayer de voir si on peut avoir un générateur quand même, parce que. Ah bah c'est vrai, il y a progressive automatisation, qui est un mode très bien. Ouais, après t'as le heat générateur aussi, ouais, bof. Bon, ça, à partir d'une source de lave, t'as ce qu'il faut. Après, t'as le générateur de RF Tools qui te. Non, déprésonance, qui permet à partir du petit truc à t'avoir tout. Bon, après, c'est cool d'un côté, mais pas cool de l'autre, du fait que ça émet de la radiation autour de toi. Donc, du coup, si tu le fais chez toi, bah t'es dans la merde. Très clairement. Après, t'as les turbines, mais ils font du bruit. Moi, je préfère les gros panneaux solaires de la mort, c'est tellement plus classe. Du coup, solar panel, des glaces. Ah, il faudrait du sable, j'ai pas de sable encore. Ouais, bon, on va se faire le petit générateur là, wooden generator, tiens. Voilà, le petit wooden generator, donc c'est du fer de l'or. Tuc. Non, tu. Tac, pouf. Pourquoi il. Ah oui, d'accord. Tac. Tac, et puis de la redstone, voilà. Voilà. RF Engine, tout tranquille. Il nous faut un four, un autre bloc de redstone. Tac. Et du bois. Bon, bah, j'ai largement ce qu'il faut, de toute façon. Hop. Oui, sans ça, ça m'arrangerait. Donc, tac, 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 et oui! Voilà, wooden generator, c'est magnifique. On va le passer en mode stone parce que ça produit plus. C'est quand même mieux quand ça produit plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc, on le passe au-dessus. Ah, il m'en faut que 7 en fait. Donc, voilà. M'en faut que 7. Un autre bloc. Deux autres blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, t'as vu, j'ai compté. 6 là, 2 là, et celui au-dessus. C'est 6 de. Ah bah c'est bon, je les ai. Voilà, tac. Magnifique. Ça, je vais le péter. Pourquoi? Parce que je vais le faire en mode Tinker. Pourquoi Tinker? Bah déjà, il peut lire dans le coffre à côté. Bon, ça, je m'en fous un peu. Mais c'est surtout qu'il peut stocker. Oh, c'est cool! Ah, c'est vrai que nouveau Tinker, il fait ça. Et je trouve ça magnifique. Hop. Ah. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. J'ai fait un bloc de plus, bon, peut-être pour le prochain, hein, éventuellement. Tac. Ah, je trouve ça classe. Beaucoup de classe, en tout cas. Touc et touc. Voilà, on a le stone. Maintenant, pourquoi pas faire celui en fer? Comme ça, oui, celui en fer. Tac, tac, tac. Et du coup, tac, tac. Et un bloc entier, plus 7. Hop. Autant faire avec ce qu'on a directement, c'est mieux. Voilà, on a celui en fer, c'est magnifique. Et ça va nous permettre de faire quand même pas mal de choses. D'ailleurs, ils remontent pas à partir de là, les mobs. Ah, si, ça remonte à partir de là. C'est pour ça que j'avais des petits garnements qui venaient. Parce que c'est éclairé autour, il fait jour, bon, malgré qu'il pleut, qu'il neige ici, c'est pas trop un problème. Mais en fait, ça remonte depuis en bas. Ah, sympa le tronc en bas. Du coup, ça c'est bon. Donc maintenant, il nous faut un métallurgie. Non, il me faudrait des câbles aussi pour transmettre l'énergie. C'est pas mal de mettre. Ça transfère. Ouais, ça va, c'est pas cher du. Ah oui, mais il me faut du sable.
Ah, il faut que j'aille en chercher en bas. En fait, je suis en train de regarder comment je pourrais me servir de tout ça. Tiens, on va le foutre là. Ah d'accord. Le truc est un peu buggé parce qu'il monte pas. Avant, on le voyait monter dans une autre version, mais bon, pas bah, tant pis. C'est pas plus mal. Aïe. Bon bah du coup, je vais aller chercher ce qu'il faut, hein, parce que j'ai besoin de sable. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, quand tu le bonne mine, tu vas tout en haut et tu trouves un coffre. Je crois que c'est le bonne mine, hein, mais je suis pas sûr. Wesh! Salut les cocos! Jambus, it's friends. Oh yeah! Ah oui, il court vite en tout cas. Alors, quand il pleut, ça c'est ex nihilo, qui fait que en fait votre roche devienne de la mossy stone. Alors, ça peut être bien d'à côté comme ça peut être très moche. Donc, si vous faites des maisons en stone ou autre, bah, ça peut devenir de la mossy. Alors ça peut rendre pas mal, hein. Ça fait un petit système de donjon, mais moi, je pensais que ça allait beaucoup plus vite que ça, la Puxel. Et en plus, il y a de la canne à sucre. Voilà. La petite canne, sinon elle va se sentir tout seule. Donc, bah hop, on remonte hein, tranquillement. Dommage que j'ai pas un cheval. Parce que ça m'aurait beaucoup aidé là. Oh, une roquille! Putain, c'est rare de voir des roquilles à cette couche. Par contre, elle t'attaque pas, hein, sachant que c'est de la roche pure. Elle s'en fout. Hop. Ici il pleut, là-bas il neige. Il pleut. Et reneige. J'aime bien ça. Toin, 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 toin. Putain, j'ai l'impression de marcher bizarrement très lentement. FTP, on va super vite. Là on va doucement. Alors du coup ça là le vert. Tiens, je vais en cuire 16. Hop. Là, je vais te foutre ça là, tiens. Non, pas là. En bas. Alors c'est bon, t'es tranquille, hein? Bon, elle mène plutôt vite, hein. Donc bah 80 000 RF, c'est plutôt tranquille. On va utiliser des petits câbles en fait, des first, hein, donc c'est du RF. Normalement, ça doit pas avoir de problème. Oh putain, des blocs pour ça. Solar plante, d'accord. Eh B. Eh B, eh B, eh B. Électrique power cable. Ça doit conduire à un système électrique, mais. Alors, ça, je m'en rappelle bien. Fort décoration. Only, why not? Ah, ok, il ne transfère pas d'énergie, lui. Après, t'avais le style. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est pas mal comparé à lui. C'est vrai que j'oublie tout le temps qu'il y a Mecha. Puis, des styles avec la redstone, ça t'en fait 8. Ici, ça t'en fait 6. Ouais, on va peut-être utiliser les autres finalement, tiens. Je pensais pas du tout, mais. Bon, au moins j'aurai du vert. Du genre bon truc. Du coup, style. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Normalement, c'est comme ça les câbles. Non, c'est deux fois moins de redstone et plus de style. Donc, la redstone, hop, hop, voilà, j'en ai 16. Ah, mais faudrait peut-être une hammer, une crescent hammer. Donc, je sais pas si dans le modpack il y en a une comme ça.
Une wrench, en fait. Il me faudrait une wrench. Rev tool, progressive automatisation. Une wrench où je puisse tout prendre, en fait. Extreme reactor. Nieta, ouais, mais ça coûte un peu cher. Calculator. Celle-là, elle a l'air pas si chère que ça. Faut une gear standard. Ou une wrench comme ça, ouais, bah, microchip, j'ai pas ce qu'il faut donc. Ouais, on va prendre celle-là, 3 sticks, un fer, et puis hein, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça marche, hein, mais. Voilà. Ok, ça marche pas du tout. Bon, bah, on va faire une iron gear. Pas une iron, ça doit être une gear de base en fait. Ouais, c'est 4 de fer et une gear de base. Hop. Ça marche pas? Ça n'a pas l'air de marcher. Avoir un stick. Ouais, je ne connais pas du tout. Non, non plus. Ou peut-être 4 bâtons à un lingot. Ouais, c'est peut-être ça, tiens. Non plus. Bon, bah, je sais pas. Ouais, au pire, il y avait celle-là. Hein. Sneak right click. Ouais, je. Ah, bon. Ah! Pourquoi il y a un Iron Gear? Ah! Ok, donc du coup, il y a un petit problème dans les crafts, éventuellement. Attends, on va voir si ça fait une gear. Ah bah non, ça fait pas de gear, les. Bon, bah ça marche pas. Ça marche pas. Allez, deux lapis, un fer. Allez, on va tester tout. On va vraiment tout tester. Parce que ça serait con qu'on puisse pas l'enlever avec une wrench. Sachant que normalement, je le fais avec une wrench. Voilà, ça t'en fait 22, hein, rien que ça c'est bon, t'es tranquille. Tac, tac. Voilà. Ça marche pas non plus! Ah, c'est de la merde! Bon, ça marche pas non plus. On va essayer celle-là. Hein. Net 4. Non, mais t'es sérieux, ça marche pas non plus? Mais c'est quoi cette merde de wrench? Mon avis, il va y avoir que la Yetta pour le faire. Un calculateur, oui, mais bon, c'est un peu cher. De la laine jaune. Eh, vous avez pas une wrench basique, hormis celle-là? Iron Gear. Une iron rod et 4 de fer. Bah pourtant c'était ça du coup. What? Bon. Ah bah ça marche pas. Bon bah tant pis. Bon bah fuck hein. Le câble bah je vais le péter. Je vais le péter à la main. Donc c'est bien connu en fait le. Ouais, hop, tais-toi, toi. Je me suis pris deux flèches, hein, YOLO.
Bon, bah du coup, vu que c'est des câbles, hop. Ah oui, ça transfère même pas l'énergie. Très bien. On va passer vraiment au gros câble. On va mettre des câbles sur câbles, tiens. Voilà. Comme ça, on est tranquille, hein, easy. Alors, métallurgie infuseur, métallurgie. Hein? Hein? Métallurgie infuseur, voilà. Donc, il nous faut du... What? Alors, c'est vachement mal fait, ça, par contre. Du style, de l'osmium et du verre. Ah, finalement, le verre, on a bien fait de le faire cuire. Ah, il fait jour. Du style du verre et de l'osmium, je crois. C'est moi, j'ai pas fait cuire d'osmium. Osmium. Je vais en faire cuire qu'un parce qu'après on va pouvoir les dupliquer à gogo. Moi, je vais même en faire plus par contre. Voilà. Je vais en faire 18 parce qu'au cas où si on me demande d'en faire plus, bah, je pourrais le faire. Voilà. Osmium, style et verre. Steel casing, c'est bien le truc de rotaille de table. Métallurgie, métallurgie. Deux fours, deux redstone, quatre de fer. Deux fours, deux redstone, quatre de fer. Deux fours, deux redstone, quatre de fer. Et le truc au milieu. Ça marche pas. Pourquoi? Ah, je suis con. Pourquoi j'avais besoin de faire ça, moi, alors? Ah oui, mais steel casing, en fait, c'est pas pour ça. Oh, le blaireau! Oh, le blaireau! Bon. Il y a encore la branche. Ça c'est quoi? NRF Tool, ça c'est Simply Convoyeur. Ok, donc pourquoi? Pourquoi tu ne sors pas l'énergie d'ici? On va refaire une wrench, hein, bon, de progressive, donc 3 sticks, 1 de fer, ça m'apprendra à jeter les wrench. Ah bah tiens, quand on peut avoir du loup, hop. Na? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Rotate, query, output. Voilà. Mais je t'ai dit output, connasse! Full input, input normal, disable, rotate, query. Pourquoi? Non mais... Mais what? What? Mais comment j'ai... Nyeh! Alors c'est vraiment buggé. On peut pas se faire un... Comment ça s'appelle, une capacitor? Parce que je vais me rendre fou avec ce truc. Capacitor. Banque. Banque. Copper, gold, redstone. Copper, gold, redstone. Hop.
Voilà. Hop. 4 de fer. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, tranquille. Parce que sinon, je vais vraiment péter un câble avec ce truc. Voilà. Voilà, j'ai une basique, je suis content. Je vais faire ça. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionne. Alors, date. Ah, oui, c'est vrai que ça a merdé ce truc. Voilà. On a de l'énergie, ça sort, c'est tranquille, elle est contente. Donc du coup, je vais pouvoir sortir l'énergie là. Et normalement, c'est plein ou pas. What? Ah, il y a du courant dedans. Ah, bon, bah, c'était un bug. Donc ça va. 5 EU pour fonctionner. Oh. C'est cool ça. Bon, alors maintenant, une fois que nous avons ça, c'est pas trop tôt, hein? Très clairement, solar panel. On va se faire des solar panel quand même. Évidemment, il faut que ça marche. Voilà, solar. Ah, c'est des solar génération. Générateur. Alors, pouf, pouf, pouf. Alors, il m'en faut. Alors, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, hein? Ouais, 7. Donc 7 redstone, 7 de fer. 7 de redstone et 7 de fer. Oui! Le bon son que j'aime bien! Ah! Voilà. Nya, de la redstone, du gold. 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est 2. Je suis pas sûr. Non, 3. 4. Les deux là. 3 milieux. Ça. Pour faire le stockage d'énergie de tablette. Tac. 2 comme ça. Il me faut des panels. De l'osmium. J'en ai plus. 6. 6, je crois pas que je vais les avoir longtemps. Hein. Ouais. M'en faudrait 3 de plus au moins. Voilà, il faut au moins 3 de plus. Et les 6 là. Voilà. 1, 2, 3. 3. Il me faut 2, 4, 6. Voilà, j'ai 5 autres. 3. Pouf. Voilà, j'ai 3 de solar. Tac, tac. Pouf, tac et tac. Un fer et l'osmium dust. Oh, tu te fous de ma gueule. De l'osmium dust. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Comment on peut la... Ok. String, une seule. Il me faut une seule de string. Deux fer, deux sticks. Alors ça, tu vois, ça me plaît bien parce que le craft est simple. Ouais, il est tellement simple que je suis obligé de me refaire une table. Ah d'accord, on peut pas là. On peut plus la remettre en bloc. Ok. Me faut un string. Juste un. Ah bah tiens. On peut pas bêcher avec ça. Non, on peut pas bêcher. Alors moi je teste tout hein, maintenant. Non, je fais une OU. Voilà, fais-moi ça toi. Hop. Alors j'ai de la bonne mille. Je peux pas faire direct non. C'est ça que j'aime bien. C'est tellement plus rapide. Un string. Les sticks. Hop. Voilà. Je fous ça. Je fous l'osmium. J'ai une poudre.
Voilà, comme ça j'en ai deux, je me suis magnifique. Et padin, j'ai mon solar panel que je me fous là-dessus. Et ça génère. Oh, ça génère 50 RF. Oh. Oh, ça génère 40. Pourquoi il me dit 50? Max output 40. Ouais. Bon bah c'est bien. Moi ça génère tout ce qu'il faut. On aura assez de l'énergie. Hein. Au pire je pourrais en foutre un deuxième. Toi du coup, bah tu sers à rien. Hein. Tu sers vraiment plus à rien. J'aurais pu en faire juste un wooden, ça aurait été bien. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ah, comme ça on aura une petite jauge. C'est une petite jauge comme ça peut être cool. Voilà. Une petite jauge d'énergie, hein? Voilà. Petit output. None. Et puis ici, input. Je vais quand même laisser un input au cas où. Mais c'est cool. Donc, du coup, on a bah, 140 000 RF déjà pour commencer. C'est plutôt un bon point. Hein. C'est déjà bien. L'osmium, je vais le foutre en bas, tiens. Ça, ici. La cobalt, je le prends. Tac, tac. Bon bah c'est magnifique, hein, on a fait ça pendant tout un épisode. c'est magnifique, c'est magnifique. Alors on pourrait augmenter bien sûr le métallurgie infuseur. Maintenant il me faudrait un crusher par contre. Un crusher. Crusher, osmium, compresseur, combined. Crusher, des seaux de lave. Ça m'enchante pas trop. Deux seaux de lave, la steel canning j'ai déjà, deux seaux de lave. Deux osmium dans le truc. Deux osmium dans le truc. Et deux seaux de lave. En plus, les seaux de lave, j'ai dû aller quand même assez loin pour aller les chercher quand même. Donc, du coup, ça me plaît pas trop. Tac, tac. Je le fous là, du coup. Tac, tac. Non, c'est comme ça. Kaixing au milieu, 4 de redstone normalement. Voilà. Ah bah non, c'est même pas ça au-dessus. Ah oui, c'est 2 redstone et 2 osmium dans le machin. Voilà. Je m'en rappelais plus. Et du coup, on va aller chercher notre petite source de lave. Salut! Non, tu ne vas pas péter. Tu. Alors la descente est quand même assez vertigineuse. Alors, il y a de la Norman. Oh, une tête de creep. Wesh. Ça boum? Ça boum ici? Oui, ça boum bien. Non mais. Voilà. Bon, je referme hein, parce que YOLO. Et je vais foutre ça comme ça. Ça, je suis sûr que ça va pas passer. Donc du coup, niveau de... Ah, j'ai du steel. Ouais, je sais que j'en ai. Je sais. Des zombie brain qui ne sert à rien. Ça, je garde. Ça, je garde. Moi aussi, je m'en fous. Cœur de creep. Oh, d'accord. Ne sert à rien non plus. La gun, ça je garde. Les flèches aussi. Zombie arme. Ça sert à rien. Ça non plus. Ça non plus. Ok. Et eh ben, on va pouvoir aller tout en bas. Donc, bon, bah, je reviens. Je vais faire ce qu'il faut.
Bon, voilà, du coup, j'étais parti me chercher ce qu'il faut, hein, j'ai pas croisé d'autres mobs sur la route en plus, plutôt pas mal. Donc du coup, je fous mes deux seaux de lave là, je récupère mes deux basiques contrôle circuit ici, et je fais ça, hop, et j'ai un crusher. Et le crusher me permet quoi? Bah tout simplement de pouvoir crusher. Très clairement, hop, donc oui, on le sait, et puis je sais. Oui, bah oui, moi aussi je le sais. Tac, je récupère ça. Il le fout là-haut, je vais le foutre un autre coffre ici par contre. Comme ça va être le coffre à bordel. Coffre à bordel, tac tac tic tac. Basique, j'ai que je les fous là, ça là, les sauts ici. Faudrait que je me refasse des torches. En faut 7. Voilà, ça m'en fait 30, c'est magnifique. Dans le sac, j'ai plus rien. Oui, le sac, pour info, je l'ai eu dans un. Comment? Dans un loot Ah, comment ça s'appelle? Les mob spawners. Dans un coffre, et il y était, donc du coup, bah, je l'ai pris. Hein. Je vais pas cracher dessus, en plus, c'est un bon bug comme il faut. Donc, c'était le premier bug que je voulais faire en plus, donc ça tombe bien. Niveau de l'énergie, on est plutôt tranquille. Tu vois, 50 RS, ça sert à rien de faire plus en fait. De faire plus haut, beaucoup plus haut que ça en fait, ça sert à rien. Sachant que ça génère bien, et puis le jour qu'on arrivera à bout des 50 RF comme c'est marqué ici, c'est marqué même 100 ici, hein, toutes les secondes ça fait 100, c'est complètement chelou, bah du coup on va pouvoir faire des choses. Donc là c'est pour faire des poudres généralement, ou du biofuel. Biofuel ça peut être pas mal hein, comme source d'énergie, hein, ça peut être cool, des pommes et autres, mais voilà ça fait du sable, du gravier et autres. C'est bien, c'est un bon point. Sur ce, bisous tout le monde. Je vous laisse, je vais construire un petit peu d'autres machines de mecha, histoire de macérer un petit peu le tout, dupliquer tout, etc. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, bisous tout le monde. C'était épais. Oh, que c'est beau.